C'est un recueil de nouvelles que j'ai écrites entre deux tournages, entre deux pièces. Donc je l'ai commencé à peu près à écrire des histoires il y a 3 ans. C'est pris un temps assez long parce que je ne savais même pas si ça deviendrait un recueil. Simplement, j'écrivais des histoires au fil de mes envies. J'avais des idées de nouvelles parce que des fois, on a des sujets qui vous viennent et on sait que ce sera... Ce ne sera pas une nouvelle, que ça sera, demandera un développement plus long. Et là, les sujets que j'avais, qui me venaient à la tête, c'était des sujets qui devaient être courts. Et c'est là où c'est bien. C'est de surprendre. D'abord, j'avais fait un film qui s'appelait « Ma vie est un enfer », qui était un film de science, de fantastique, qui était, je l'ai fait en 90, qui était revisiter le mythe de Faust d'une manière drôle, et c'était un film purement fantastique. Et ensuite, j'ai été bercée toute mon adolescence et mes 20 ans par les nouvelles publiées chez Galaxy, fiction, parce que je faisais partie d'une bande de copains, nous avions le même âge, dont l'un travaillait chez Opta, et donc nous donnait chaque mois le mensuel qui sortait avec les nouvelles, surtout anglo-saxonnes, d'auteurs qui étaient pratiquement inconnus à l'époque en France. Comme un des plus célèbres, Philippe K. Dick, Harlan Ellison, Arthur C. Clarke, tout ça.